Salut tout le monde, c'est Manifleck. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Projet de Cars 2. Et bon, j'ai toujours pas fait de vidéo sur Projet de Cars 2. Pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais voilà, là, c'est la première vidéo sur ce jeu. Donc voilà, je vais faire une petite course avec une Porsche Cayman GT4 sur le Nürburgring. Avec des IA, voilà. Il y a deux tours et voilà. Il y a rien de d'autre à ajouter. Donc. Ok, c'est parti pour la course. Ok, donc lui, je l'ai déjà doublé. J'ai eu de la chance. Donc mon ordi, il est toujours mort. Hein, donc malheureusement. On n'a toujours pas trouvé le problème. Donc pour l'instant, toujours pas de vidéo sur l'ordi. Évidemment. Allez, je vais essayer un peu de me concentrer. Oula. J'ai un peu forcé, là, je l'ai un peu poussé. Et lui, je vais le doubler dans la ligne droite. Lui, ça sera un peu chaud, mais je vais essayer, ouais. Il y a vraiment pas beaucoup de place pour doubler dans ce circuit, c'est ça la difficulté. Là, il faut vraiment bien freiner, faut pas se faire avoir. Ah bah lui, il s'est fait avoir. Aussi, je vais pas trop laisser la place. Les deux premiers là, ils sont en train de partir. Il faut pas que je les laisse partir, sinon ça sera compliqué après de les rattraper. Lui, il faut que je le double maintenant. Voilà. Faut pas que je me rate au freinage, par contre. Je les ai mis une petite distance, enfin pas trop mais un peu. Maintenant les deux premiers là, il faut les rattraper. Oula. Ah bah il y a l'autre qui m'a poussé derrière. Attention ce virage, faut pas sortir. Là il y a une petite épingle. Ah j'ai du mal à les rattraper hein, ceux devant. Vraiment que j'aille à fond. Là, je les rattrape un petit peu. Là, il faut un petit peu freiner. Donc merci encore une fois
vous abonner, hein, bientôt les 900. Et après, la prochaine étape, ça sera les 1000. Donc vraiment, ça sera là. Après les 100 abonnés, là, je vais passer les 1000. Donc vraiment, merci beaucoup. Ouh là là là, je me concentre, moi. Ce visage, le très connu, hein. Du Nürburgring. J'y vais vraiment à fond. Heureusement, il y a deux tours, sinon ça serait vraiment chaud pour les attraper. Je me demande si je serai premier. J'aime bien cette partie du circuit parce qu'en général, enfin non, c'est pas en général, c'est la fin du circuit et du coup, normalement, on est bien chaud. Comme on a fait l'autre moitié du circuit. Du coup, on peut vraiment aller vite sur cette partie du circuit. Oula, vraiment aller vite, mais faut faire attention quand même. Là, il faut freiner juste avant de sauter. Voilà. Je les rattrape, mais pas vraiment. On garde plutôt la même distance. Assez compliqué. Et là, la grande ligne droite. On peut quasiment dire qu'on a fini ce premier tour. Puisque là, bon, on a fait le plus difficile. Ah ouais, mais à la ligne droite, il me trace, mais vraiment. Ah, quoique. C'est moi où je suis en train de les rattraper, là, non? Ah non. Enfin, ah oui, non, je suis vraiment en train de les rattraper, je crois. Ça joue à pas grand-chose, mais un petit peu. Ah oui, si, si, ça se voit. On voit toutes les voitures derrière là. Ça fait une ribambelle. Et voilà, on va bientôt attaquer ce deuxième tour. Ah ouais, là, je les ai bien rattrapés. En effet. Hein. Oula, je ne sais pas taper là. Et voilà, on attaque ce deuxième tour. Last lap, and second place is still on. Keep on it till the checkered flag. Force the mistake. Voilà. Maintenant, il y a juste celui devant à doubler. Ah ouais, mais si il me redouble aussi. Aïe, comme de par hasard là, il prend un peu d'écart. Allez, il reste juste un tour pour doubler un seul, mais c'est le plus difficile celui-là. Allez, peut-être dans la ligne droite, je peux rentrer sur l'écart. Il faut un peu freiner. J'ai un peu beaucoup freiné. Allez, ce serait bien que je double dans la ligne droite, là. Ça serait une belle occasion de doubler. Ou alors après le virage, dans les genres de zigzag. Ah, ou... ah non, non, parce que là, il y a freiné. Je peux pas prendre le risque de le doubler. What? 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 Il y avait une voiture sur le dos. Oh non, mais du coup, l'autre, il est où? Oh non, il s'est pris la voiture. Attendez, je vais juste voir parce qu'après sinon c'est plus marrant. Oh non, il s'est pris la voiture.
Bon, bon, on va continuer, hein. Si, je vais pas refuser d'être premier non plus. Hein. Après, je vais voir dans le ralenti pour voir ce qui s'est passé, parce que là, il y a une voiture qui n'importe quoi, vraiment. Qui s'est mise à l'envers. Et du coup, je pense que ça va... Waouh. Oh mince, faut que je me concentre moi aussi. Lorsque je suis premier et que j'ai beaucoup d'écarts qui vont... Enfin, quoi que si je suis large... Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Faut après que je voie ce qui s'est passé. Parce qu'après, je pense que ça va faire un joli bouchon. Celui qui est derrière, je sais pas si c'est le deuxième ou le deuxième. Enfin, celui qui était premier ou celui qui était deuxième. Ou alors c'est peut-être un autre. Oula. Ah ouais, il me rattrape, hein, faut faire gaffe. Mais bon, ce sera pas. Normalement, ce sera pas très très compliqué de le laisser derrière moi. Je pourrais le bloquer, hein, pour éviter qu'il me double. Oula, j'ai très mal pris ce virage, c'est dommage. Parce qu'en général, sur ce virage, les IA, ils vont lentement. Du coup, c'est une bonne occasion de prendre de la distance. Ou au contraire, rétrécir la distance. Ça dépend. Oula, c'était chaud. Par contre, c'est bizarre quand même qu'ils font pas des spawns la voiture quand elle est accidentée comme ça. Elle est retournée. Non, mais c'est quand même bizarre, quoi. On demande vraiment ce qui s'est passé. Ah oui, je vois pourquoi. Parce que c'est le virage qui est un peu difficile, où il faut. En fait, c'est un virage. Normalement, ce virage, tu le passes à fond. Mais comme sans descente, ça te fait un petit peu sauter. Du coup, t'es obligé de le freiner. De freiner à ce virage. Après, ça dépend évidemment de la voiture, hein. Mais en tout cas, sur cette catégorie de voiture, faut freiner. Et les IA, ils calculent mal ce genre de virage complexe. Et du coup, souvent, ils partent tout droit, ils vont dans l'herbe, et après, ils reviennent sur la piste et ils se font taper par des voitures et ils partent en tonneau ou ils se renversent sur le toit comme ce qui s'est passé. Bien freiné, faut pas se faire avoir. Ah bah lui, il s'est fait avoir. Ah ouais, hey, ils sont pas seuls, hein. Ils sont pleins. Ouais. Faut que je fasse gaffe, moi. Je pense les deux voitures qui étaient avec moi là, je pense qu'ils ont pris la voiture ou je sais pas. Parce que là, c'est pas les mêmes. Par contre, j'espère vraiment qu'ils sont pas plus rapides que moi à la ligne droite. Parce qu'après là, je peux rien faire. Hein. S'ils sont plus rapides que moi, j'ai beau les bloquer. Il y en aura plein qui vont aller derrière moi. Il y en aura forcément un qui va passer. Et après, je pourrais pas rattraper. Ça sera la fin. Donc là, on est à la fin de ce deuxième tour, donc à la fin de cette course. Ils sont juste derrière moi. Faut vraiment faire gaffe. C'est vraiment dommage, ils se sont pris la voiture, les autres là. Parce que sinon, ça aurait fait un beau duel. Et bon. J'ai eu la moitié de ce deuxième tour tranquille. Mais par contre, il y a les autres là qui commencent à revenir. Ah oui, ils reviennent bien. Faut que je fasse attention
au prochain virage là. Enfin, pas celui-là, mais voilà, le prochain, ça sera le dernier virage avant la ligne droite. Faut bien que je le prenne bien, sinon j'aurai une bonne. Enfin, si je le prends mal, j'aurai pas une bonne sortie de virage. Donc je vais être moins rapide. Ça va, je l'ai à peu près bien pris, mais bon, il y a mieux quand même. Il y a l'autre, je vais éviter qu'il prenne la spi. Ah voilà, ouais, sans un spi, je suis plus rapide, mais comme il prend la spi, il va me doubler. Par contre, il faut pas qu'il prenne la spi à la fin de la ligne droite, parce qu'après, s'il me double à la fin de la ligne droite, j'aurai pas le temps de reprendre la spi, parce qu'il faudra refreiner. Enfin, faudra freiner. Ouais, non, c'est bon, je lui mets une petite distance. Faut que je regarde devant moi quand même. Et voilà. J'espère vraiment pas planter, parce qu'après là, sinon. Oula! En plus, j'ai failli me planter, c'est ouf. Et à ce virage, faut pas taper le mur. Et après, c'est bon. Voilà. Voilà, une course assez tendue. Ah bah, il s'est fait doubler par une Porsche. Et voilà. Deux tours sur le Nürburgring. J'ai commencé cinquième, je crois. Et j'ai fini premier. Voilà. On va juste voir le ralenti parce que j'ai envie de voir ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est lui qui va se retourner. Mais j'ai remarqué, voilà, vous pouvez le voir, les IA, ils font des espèces de droite-gauche violents. C'est... En vrai, sur ce jeu, les IA, ils sont bien, mais ils sont vraiment bizarres. Hein. Heureusement, il y a au début du jeu, les IA, c'était vraiment le gros défaut du jeu. Bon, là, ça s'est amélioré. Donc, on va voir ce qu'il a fait, là, ça se virage. Ah, voilà, il est sorti. Et il s'est fait percuter par deux doigts. Ah, voilà, ce que j'avais... Il était parti. Waouh! C'est bien, c'est exactement ce que j'avais prédit. Il a même... Attendez, on va juste voir ce qui... Bah parce que il a carrément... il a volé sur des voitures. Donc voilà. Oula. Ah oui, c'était violent, effectivement. C'était très violent. Donc maintenant on va apercevoir ce qui s'est passé du côté donc celui qui était premier hein, à ce virage. Voilà, donc il y a la voiture, donc ok, il a freiné. Ah voilà, bah ça c'est voilà, je suis passé devant. Bah ça c'est les intelligences artificielles sur Project Cars. Voilà, ça c'est, ah ouais, donc du coup ouais, il s'est fait doubler par tous les autres. Ouais, il y a l'autre qui est quand même passé, celui qui était deuxième. Ah ouais, donc... Oula. Ah oui, donc ça... Waouh. Il y a une autre voiture qui a fait un accident. Eh ben, dis donc, il s'est passé des trucs ici, hein. Malheureusement, je peux pas voir sur à droite et à gauche de la... avec cette caméra. En tout cas... Ah ouais, donc il y a beaucoup de voitures accidentées, là. Ah ouais. C'est... Ok, donc l'autre il a pu quand même repartir. Mais il a vraiment bugué. Hein. Ok, bon bah c'était pas mal quand même de voir tout ça. Ce qui s'était passé. Donc j'espère cette vidéo assez courte, je pense. Enfin, pour moi. Ah, quoique aussi quand même. Environ un peu plus de 14 minutes, même beaucoup plus. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!